je vais me mettre là avec la tripe. C'est possible qu'il y ait des silures ici qui montent à l'odeur. Et puis il y en a d'autres qui sont juste à côté, hein, qui vont certainement descendre, bouger. Bah j'en vois un là. Donc je suis au bon endroit. Il ne faut pas que je fasse de bruit. Et c'est parti. Et ben là les gars, j'ai pas de place. Je peux pas trop bouger. Mais je suis au bon endroit pour pouvoir ramener un poisson, combattre avec lui, aller le chercher si possible dans l'eau, puisqu'au bord j'ai pied. Là il y a un gros trou par contre. Donc voilà, je bouge pas mes fesses ici. J'aurai pas d'ombre, c'est pas grave, mais je pense que ça vaut le coup. Voilà, je pense même que je vais rester les 2 heures ici. On va filmer ce qui se passe. Je sais pas s'il y a autant de poissons que j'ai vu tout à l'heure, mais c'est sûr. Il y a un ou deux silures puisque j'en ai vu avant de descendre. Voilà. Donc j'espère que ça va marcher. Et on va sortir ce qu'il y a de plus dégueulasse. Et c'est vraiment dégueulasse. Et non, c'est pas de la gelée de fraise. C'est de la tripe. Oh, c'est hardcore. Ok. Alors la bonne nouvelle, c'est que le plomb il tient le courant. Donc ça se balade pas. Ça c'est bien. Oh, il y a une carpe qui s'approche de moi là. Regardez, elle passe en dessous du fil. Regardez, il y a une autre carpe là. Oh, elle est belle. Elle passe au-dessous du fil. Oh, j'en ai un. Oh la vache. Il est beau. Oh, oh putain. Oh, cassé. Merde. Merde. Oh là là, j'ai une poussée d'adrénaline. On recommence là. Oh, le silure. Regardez, 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 regardez. Ah, touche. Fait chier. Oh, c'est pas possible.
Ah, vous avez vu comment elle fait sa curieuse là? Je vois pas d'ici, mais je me demande si elle a pas goûté quoi. Ouais Thomas, ça va? Ouais, ça va, nickel. Alors, ça dit quoi, toi, la pêche? J'ai pêché à vue et Oh putain. ouais, ils sont venus. Il y en avait bah, avant 3-4 qui est passé. Ouais. Il y en a une qui s'est arrêtée, qui a mangé le frobie, qui est reparti, et puis c'est elle qui est revenue. Oh merde. Enfin, on m'a payé des années bon. Bah écoute, moi là où je pêche, là, c'est là où on va pêcher jeudi. Il y a toujours du poisson en fait parce que le niveau a pas bougé, c'est toujours la même chose. Donc en fait tout est calé ici quoi, il y a énormément de poissons. Alors je t'explique un petit peu ce matin là, quand je suis arrivé au bord de l'eau déjà direct j'ai vu un silure. Donc j'ai pas ouais tout de suite. Donc j'ai pas eu le temps de mettre un plomb ou quoi que ce soit, j'avais déjà l'hameçon. Je suis arrivé, tu sais, j'ai mis la tripe, j'ai mis le poulet puis je l'ai lancé au bord quoi. Et j'étais genre en mode track shadow, tu vois. Il s'est retourné, je l'ai vu arriver. Il a engamé ma tripe. Et je sais pas, je suis resté là comme un con, tu sais, j'ai pas ferré. Et il l'a recraché direct. Ouais, il l'a recraché direct devant moi. J'étais dégoûté, quoi. Il était pas gros, hein. Ouais. Ah, j'avoue. Parce que j'aurais démarré là, ma matinée avec ça, tu vois. J'aurais été content. Ouais. Enfin, je t'explique après ce qui m'est arrivé. J'ai pas de chance. Enfin, j'ai pas de chance. À la fois, j'en ai un peu parce que je pense que j'ai fait quand même de bonnes images. Mais j'étais. Ça faisait 2 fois que je voyais passer, tu sais, un gros silure. J'ai dit, bon, je vais mettre la tripe ici avec le plomb. Je vais mettre ma caméra et je vais attendre. Écoute, j'ai attendu 1 heure. Oh là là, au moment où je te parle là, il y a une putain de carpe. Il y en a même deux. Je me demande si c'est pas les amours blancs que j'ai filmés qui s'approchent de ma caméra là. Ouais, je te ferai voir. Bah écoute, là, ce que je suis en train de te dire là, je te le montrerai en vidéo ce soir, quoi. Parce que là, ça filme énorme, énorme. Ils arrivent au bord. Ah ouais, c'est ceux que j'avais déjà filmés, tu te rappelles? Ah là 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 là, écoute, ils sont énormes. Ouais, c'est ça, c'est des amours blancs. Ils font plus de 20 kilos, quoi. Pff, oh là là là. Ah ouais, non, c'est dément. Mais hey, quand tu vas venir, tu verras, c'est frustrant parce que tu les vois arriver, puis tu les vois partir, revenir, enfin c'est du bonheur. Et donc tout à l'heure, en fait, tu vois, le silure, du coup, j'ai tout posé. J'ai mis la caméra Waterwolf à 40 cm de mon poulet. Je l'ai vu sortir des herbiers, en fait. Je savais pas qu'il était là, tu sais, je savais qu'il faisait le tour. Et puis là, je l'ai vu sortir, mais un monstre, je pense qu'on le verra en vidéo, il faisait plus de 2 mètres le truc, tu vois. Et oh, une montée d'adrénaline. Sur le coup, franchement, j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, merde, il va y avoir un problème s'il est mort. Parce que j'étais pas. Comment dire? C'était la première fois que je pêchais vraiment à cet endroit. Il y avait un arbre que je connaissais pas juste à côté. J'étais en haute berge, j'étais pas prêt. Enfin, c'était. Et en fait, je l'ai vu. Il a carrément engamé le poulet. Et puis, en fait, j'ai ferré. Mais j'ai pas ferré assez fort. Et il a ouvert la gueule, je l'ai vu là, il a mis 2 coups de tête, ça s'est décroché tout de suite quoi. Ah la vache, merde. Ah ouais. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, je pense que les images sont pas mal. En tout cas, j'espère. Hein. Après, quand t'as les images comme ça, là, quand tu le vois arriver et tout, ça va être super. Ah ouais, franchement, ouais. Bon Thomas, moi je vais essayer de prendre un poisson quand même. Et puis on se tient au courant ce soir, ok? Ouais, bah, ça marche, pas de soucis. Allez. Et bah, allez. À plus, bye.